magnifique. Ciao.
La semaine dernière, nous avons parlé de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est un vaste sujet et je voudrais continuer encore aujourd'hui. Je voudrais nous poser cette question ce matin. Comment je mets en pratique l'amour fraternel? Comment je le mets déjà en pratique? Et puis comment parfois je ne le mets pas en pratique? Vous savez, notre famille de chair, nous ne l'avons pas choisie. C'est pas qu'elle nous a été imposée, mais quand même. Mais notre famille, la famille de Dieu, la famille chrétienne, eh bien, quelque part, elle ne nous a pas été proposée non plus. Je dois faire avec les uns et avec les autres, et c'est tant mieux comme ça. Quand le Seigneur Jésus va passer toute la nuit en prière pour choisir ses quelques disciples, on les connaît, ces disciples. On connaît leur caractère, on sait qui ils sont. Imaginez que même dans cette nuit de prière, Jésus a même choisi Judas, quelqu'un qui finirait par le trahir. Il a même choisi un Pierre qui allait le renier. Il a choisi tous ses disciples qui tous vont l'abandonner. Bon, il nous aurait peut-être choisi aussi finalement. Il ne les a pas choisis par rapport à leur qualité. Parce que quand vous voyez, même après, quand il réunit Pierre et Jean, Pierre, c'est quand même quelqu'un d'impulsif. Jean est quand même appelé fils du tonnerre. Et pourtant, il les réunit ensemble. Et vous savez quoi? Ça marche bien. Pourquoi? Pas parce que c'est Pierre et Jean, mais parce que c'est Pierre et Jean assistés du Saint-Esprit. Pourquoi l'Église peut fonctionner? Pourquoi l'Église peut grandir? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Parce qu'il y a le Seigneur Jésus qui nous lie. La plupart d'entre nous, on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Même des fois, on n'a pas beaucoup d'intérêts en commun. Mais quand c'est la personne de Jésus qui nous réunit, alors c'est possible. Moi, j'aimerais vous encourager à prier les uns pour les autres, même pour ceux que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de vous dire encore plus pour ceux que vous connaissez. Seigneur, lui, je le connais, je sais que tu auras du boulot avec lui. Puis elle, je la connais, il y a du boulot. Bon, si vous vous dites ça de quelqu'un, vous inquiétez pas, quelqu'un le dit sûrement de vous aussi. Mais le plus important, c'est que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous change. Comme je vous le disais la semaine dernière, je vous encourage, moi, lors des temps d'échange, des temps de salutation, à aller voir des gens que vous ne connaissez pas ou que vous ne côtoyez pas. Pas forcément pour connaître toute leur vie, mais simplement pour les saluer et pour dire, mais on est réunis dans le même but. On ne vient pas tous avec la même histoire, on ne vient pas tous avec la même histoire biblique. Certains, vous connaissez bien le Seigneur énormément, certains, vous ne le connaissez presque pas. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de progresser ensemble. C'est important de marcher ensemble, marcher d'un même pas. J'aimerais partager avec vous ce premier texte, on en partagera plusieurs ce matin, dans 2 Corinthiens chapitre 8. Le témoignage qui a été rendu par l'apôtre Paul est exceptionnel. Hein, enfin, il rend vraiment le témoignage qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans l'église de Corinthe. Mais il ne va pas parler que de celle-là, il va parler d'un tout. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, et puis tu peux afficher à partir du verset 7. On va partager ensemble quelques versets. 2 Corinthiens chapitre 8. Et puis, le verset 7 nous dit « De même, vous l'avez inscrit ici pour ceux qui n'ont pas la parole avec eux, que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre,
mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. » Peut-être que vous n'avez pas le mot charité, vous avez certainement le mot amour. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » La sincérité de votre charité, ou la sincérité de votre amour. C'est important de travailler à cette sincérité. Le Seigneur, quand il nous voit, il dit « Mais je te connais mieux que toi-même. Et je t'aime quand même. » Malgré tout, malgré qui tu es. On pourrait prendre l'exemple de nos enfants. On pourrait prendre l'exemple de nous-mêmes. On fait des erreurs, il y a des luttes, il y a des combats. On ne valide pas forcément ce qui est fait. Mais on les aime malgré tout. Et le Seigneur ne valide pas les actes mauvais, mais il aime l'homme malgré tout. Quoi que nous ayons fait, peu importe notre dossier, qui peut être parfois très lourd, le Seigneur, lui, nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Mais le fait qu'il nous aime ne nous sauve pas pour autant. Dieu veut que tous les hommes soit sauvé. C'est son désir, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que tous les hommes vont être sauvés ? Non. Pourquoi ? Parce que Dieu propose son amour. Dieu nous propose de nous aider aussi à grandir dans son amour. Mais si je ne veux pas de lui, alors je suis libre de le refuser. Il a proposé son amour à chacun. Il a pu même dire à la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais moi, je pense que certains sont venus à la crucifixion de Jésus et sont repartis comme ils sont venus. Bien sûr que c'était une crucifixion particulière. Bien sûr qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées le jour-là. Mais certains avaient l'habitude de ces choses-là. À l'époque, c'était la mode de faire de cette manière-là. Est-ce que, lorsque je viens à l'église, est-ce que lorsque j'ai un temps particulier avec Dieu, je repars de la même manière. Ne faites pas comme certains qui disent en entendant la parole, « Ah, ça c'est pour un tel, ah ça c'est pour une telle, ah cette parole-là, ah il faut absolument qu'un tel l'entende. » Alors ça peut être bien parfois, mais c'est bien aussi de se dire, « Et si c'était pour moi ? Et si je ratais une parole que le Seigneur veut me donner en utilisant les moyens qu'il a, et il a tout entre ses mains, pour me parler ?» Frères et sœurs, est-ce que nous nous laissons encore interpeller par la parole de Dieu ? Oui, parfois le Seigneur dit « c'est bien, bon et fidèle serviteur », puis parfois il dit « là il faut que ça change, là il faut que tu arrêtes, là il faut dire stop ». Et croyez-moi, je me prêche à moi-même premièrement. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que bien sûr, il va parler d'exceller en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Mais il va parler aussi de la sincérité de l'amour. Vous connaissez ça, hein ? Si nous avions tous les dons, mais que nous manquions d'amour, cela ne sert à rien. Nous avons besoin d'apprendre et de réapprendre à nous aimer les uns les autres. Parfois, d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément de notre avis, ça peut être aussi bénéfique, hein, parce que ça nous pousse à une autre réflexion. Que le Seigneur nous aide à penser à l'autre comme un atout, plutôt comme un poids. Que le Seigneur nous aide, déjà premièrement, à penser à l'autre. Lisez avec moi, et vous le connaissez, Galates 5, 22. Non pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Ce n'est pas simplement, bon, moi, je prends tel fruit aujourd'hui, connaissez le principe, hein, on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Là, ce n'est pas ça. C'est soit on prend tout, soit on ne prend rien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la fidélité, la douceur,
et la tempérance. Alors peut-être que si on fait un check-up là-dessus, on pourrait se dire, bon, moi, l'amour, ça va. La joie, ça va à peu près. La paix, ça va à peu près. La patience, commence un peu à... La bonté, est-ce que je suis toujours bon ? Est-ce que je travaille à ça ? Est-ce que je travaille à la fidélité ? Est-ce que je travaille à la douceur ? À la tempérance ? Bon, ben, si vous voulez le savoir, c'est facile, hein. Il suffit de demander à nos époux, à nos épouses, il suffit de demander à nos voisins, à un moment donné, il y aura forcément un domaine où ils vont dire, peut-être que là, tu devrais travailler un peu plus là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'on a tous à travailler là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est de travailler ensemble là-dessus. Seigneur, donne-moi de partager ton amour au milieu de mes frères et de mes sœurs. Bien sûr, au milieu du monde, oui, ok. Donne-moi de partager ta joie au milieu de mes frères et mes sœurs. Et là encore, je répète un texte que j'ai cité aussi la semaine dernière. Nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent, mais nous voulons aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Seigneur, donne-moi d'être un artisan de la paix. Vous connaissez cet adage, qui veut la paix, prépare la guerre. Jésus dira, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Parfois, j'ai besoin de la paix du Seigneur. Je suis dans un temps de trouble, je suis dans un temps où je ne sais plus trop où regarder pour être tranquille. Mais parfois, je ne la demande même pas. C'est terrible, hein, quand Jésus dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira ». Ça paraît tellement simple que parfois, je ne l'utilise même pas. Qu'est-ce que tu n'oses pas demander au Seigneur ? Qu'est-ce que tu n'oses plus demander au Seigneur ? Je ne dis pas que tout ce que je vais demander au Seigneur, le Seigneur va me le donner. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Non, il nous donnera ce qui est utile pour sa gloire. Pas pour notre gloire, ni pour la gloire des autres, mais pour la sienne. Et je dois travailler à l'amour fraternel, et je dirais l'amour aussi spirituel, pour dire « Seigneur, j'ai besoin de l'autre pour grandir. J'ai besoin des uns et des autres. » On ne vient pas tous du même milieu, on ne vient même pas tous des mêmes mouvements, on n'a pas grandi de la même manière, même spirituellement. Mais j'ai besoin de mon frère et de ma sœur pour progresser. Peut-être que moi, je n'aime pas louer de telle manière, peut-être que moi, je n'aime pas chanter de telle manière. Peu importe. Il y a de la richesse dans la diversité. Il y a de la richesse dans la diversité. Et peut-être de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi de rechercher ton fruit. Il y a des mauvais fruits, s'il y a des bons fruits, il y a aussi des mauvais fruits. Et parfois, les mauvais fruits, on n'a même pas besoin de les chercher, ils sont déjà là. J'ai besoin, pour ma vie, de chasser ces mauvais fruits, afin que le fruit de l'esprit prenne la place. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que mes envies diminuent, mais que les siennes grandissent. Il faut que ma chair soit de plus en plus rabaissée pour que la vie de Dieu prenne de plus en plus la place. Et croyez-moi, pour moi, ces mots-là, ils sont faciles à dire, mais ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Mais avec l'aide des uns des autres, parce que la Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Apprenons à prier les uns pour les autres. Si le Seigneur l'a déjà fait, certainement, il vous a mis à cœur quelqu'un, eh bien ne laissez pas tomber. Si le Seigneur vous a mis à cœur quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Parfois même, vous ne serez même pas la raison pour laquelle vous priez pour telle ou telle personne. Ce n'est pas ça le plus important. C'est de prier parce que Dieu nous demande de le faire. Quelqu'un un jour m'a dit, tu sais Pierre, je ne vois pas l'intérêt de prier pour les malades, puisque de toute façon, le Seigneur sait déjà s'il va les guérir ou pas. Me poser ça à moi comme question, enfin, me parler de ça à moi, c'est quand même terrible. Je me dis merci Seigneur pour les gens qui ont prié pour moi, parce que je ne serai plus là depuis bien longtemps. Et je lui dis, tu sais pourquoi on le fait ? Parce que Dieu nous le demande. Le résultat ne nous appartient pas. Mais nous, notre rôle, c'est de prier. Le résultat de ce que je vais prier pour mon frère ou pour ma sœur. Ça ne m'appartient pas, c'est Dieu qui fait. Mais moi, je dois prier pour mon frère ou pour ma sœur.
Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et priez pour ceux qui vous persécutent, je vous le répète souvent, c'est pas dire, Seigneur, fais-moi justice, occupe-toi d'eux. C'est pas ça. Non, Seigneur, bénis-les. Moi, quand je lis Paul et Silas dans la prison à Philippe, ils sont roués de coups, ils sont battus, ils n'en peuvent plus. Et ils auraient pu dire, à un moment donné, on aurait pu lire dans les Écritures, « Seigneur, vois mes bourreaux, occupe-toi d'eux. » Je crois que si on avait vu ça dans la Bible, ben, vous savez quoi, on se serait dit, ben, « C'est normal, c'est logique, parce qu'ils souffrent tellement. » Mais on ne voit pas ça. On voit des gens qui souffrent et des gens qui prient pour ceux qui les font souffrir. Et on voit bien plus que ça. On voit la conversion des gens qui font souffrir. L'apôtre Paul connaissait ça. Il faisait souffrir, puis il est devenu quelqu'un qui a aidé ceux qui souffrent. Le geôlier Philippe, qui est sans doute devenu un de leurs meilleurs amis dans la suite. Seigneur, tu es capable. Et je voudrais dire ça à quelqu'un ce matin. Le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Mais il faut prier pour avoir une bonne disposition de cœur. Combien de fois on a entendu « il faut pardonner » ben, nous le savons tous qu'il faut pardonner. Mais ce n'est pas parce que je sais qu'il faut pardonner que c'est facile de pardonner. Et derrière le pardon, il y a le fruit de la repentance. Moi, je suis quelqu'un, c'est facile pour moi de dire pardon. Ce n'est pas un problème. Mon problème, après, c'est de mettre en pratique le pardon que je viens de demander. Est-ce que je suis digne de toujours... Est-ce que les autres acceptent ? Non, pas toujours. Mais le Seigneur, lui, est capable de le faire. Philippiens, chapitre 2. Partagez avec moi, si vous le voulez bien. Philippiens, chapitre 2, le verset 2. On va commencer à partir de là. Philippiens, chapitre 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quand nous nous réunissons ici, eh bien, nous servons le même Dieu. Dieu nous a tous sauvés. La plupart d'entre nous, on a accepté le sacrifice de Jésus. Eh bien, nous devons travailler ensemble, d'une même pensée. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'est important parce que la Bible dit « Si deux ou trois sont assemblés, Dieu est là au milieu de nous. » Alors ça va, on n'est plus de deux ou trois et de toute façon la Bible dit aussi que quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et puis Dieu est là dans le secret quand tu es tout seul. Donc Dieu est là dans tous les cas. Mais il y a le fait d'être en accord. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, c'est pas dit demander n'importe quoi. Une chose quelconque, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Si c'est pas dans sa volonté, vous pouvez prier pour essayer de faire changer Dieu d'avis, mais à mon avis, c'est peine perdue. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Balaam. Balaam le devin. Il va consulter Dieu. Est-ce que je dois y aller ? Dieu lui dit non. Et il dit, restez encore un peu, je vais redemander à Dieu, savoir si j'ai bien compris. Je paraphrase, hein, mais ça veut dire ça quand même.
Finalement, il redemande. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Ben vas-y, tu veux y aller ? Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire, non pas que Dieu change d'avis, mais si je veux m'obstiner dans une voie, Dieu va dire vas-y, mais tu assumeras les conséquences. Combien de fois on a essayé de se convaincre que Dieu était dans nos plans, rien ne fonctionnait, on ne voyait même pas les choses bien arriver, et finalement, on a essayé de mettre Dieu en disant « Ah, il faut que Dieu soit avec nous ». Alors oui, on avait les bons mots, mais Dieu parfois disait non. Dieu parfois n'était pas avec nous. Et peut-être que c'est le cas pour quelqu'un aussi ce matin. Il faut s'assurer que Dieu est avec nous dans les plans. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec nous, donc tout fonctionne. Non, parce que vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés. Mais je préfère avoir les difficultés avec Dieu que sans lui. Parfois, je fais correspondre ma volonté avec la parole de Dieu. Mais c'est l'inverse qui doit être fait. C'est la parole de Dieu que je dois lire, que je dois rechercher. Et puis, je dois dire, mais c'est ça que je dois suivre. Voici le chemin, marchez-y. Je dois rechercher la volonté de Dieu. Parfois, vous savez, Dieu prend le temps pour nous répondre. Mais parfois, Dieu dit non. Ne va pas, ne fais pas. Parfois, Dieu est très direct dans ses manières de faire. Mais si je n'ai pas envie de l'entendre, je peux faire comme il me semble bon. Si vous avez déjà lu le livre des juges, et je crois que nous sommes dans un temps comme celui-là aujourd'hui dans le monde, où nous jugeons de tout, mais pas forcément de la bonne manière, eh bien, la Bible dit qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais est-ce que c'était bon aux yeux de Dieu ? Ben non. C'est ça que nous voulons rechercher. La communion fraternelle, c'est rechercher ce qui est bon aux yeux de Dieu et pratiquer ensemble. Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile. « Oh, je dois travailler avec un tel. Oh, je dois travailler avec une telle. » Mais parfois, « Ah mince, les gens vont devoir travailler avec moi. » Mais Dieu fait l'œuvre. Dieu fait une grande œuvre. Dieu nous a transformés. Quand le Seigneur est venu dans notre cœur, il a changé notre vie. Il a changé notre manière d'être. Même sentiment, même amour, même âme, même pensée. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisez avec moi aussi ce passage. Allez, j'y suis presque, il me reste 27% de batterie, et puis il me reste 2 pages, mais c'est que des textes bibliques, c'est pour vous rassurer que je vous dis ça. Mais ne vous inquiétez pas, on y est presque. L'exemple des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Ce n'est pas toujours facile d'aimer son frère ou d'aimer sa sœur. Ce n'est pas toujours facile d'aimer l'autre. Surtout quand plus on le connaît. Parce que plus on se connaît, plus on connaît les failles des uns et des autres. Mais voilà ce que dit l'Écriture. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Et pourtant, il termine en disant, mais abondez toujours plus dans cet amour. Est-ce qu'on s'aime toujours de la même manière ? Est-ce que j'aime le Seigneur comme au premier jour ? Non. Non. Parce que je le connais différemment, parce que j'ai appris plus de lui. Donc oui, je cherche à l'aimer autant, mais je l'aime en fonction de ce que je connais de l'autre. Et puis, j'ai vraiment besoin de sa grâce. Parce que je peux être le plus aimable, je peux être le plus doux, je peux avoir de la bonne volonté, mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, ça ne tiendra pas. Nous connaissons tous ici
des hommes, des femmes qui sont super. On aime les côtoyer, ils ont un amour pour nous, et c'est sincère, mais ils ne sont pas croyants. Et c'est super d'en connaître des comme ça, mais il leur manquera toujours le principal. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Jésus est mort pour des impies. Jésus est mort pour des pécheurs, comme moi, comme vous. Et j'ai besoin d'apprendre de lui. Le Seigneur Jésus, quand il voyait les uns et les autres, connaissait tous deux. Personne ne pouvait se cacher devant lui, il savait déjà tout. Et pourtant, il allait travailler avec eux. Et pourtant, il allait accepter les invitations qui allaient lui être faites. Nous, parfois, on pourrait se dire, ah, moi, si j'avais su tout ça, eh bien, j'y serais pas allé. Je pense à cette femme, elle est là, et elle va mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes, et puis elle va essuyer les larmes avec les cheveux, et elle va donner le parfum de Grand Prix. Vous connaissez cette histoire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais s'ils savaient, s'ils connaissaient de quelle espèce est cette femme. Ouf. Oui, mais Jésus, lui, était prêt à accueillir même le plus vil. Même ceux qui n'en avaient pas les moyens, et j'ai envie de nous dire, frères et sœurs, heureusement pour nous, on n'aurait jamais été accueillis en sa présence. On n'aurait jamais eu accès à la grâce. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as aussi accès à la grâce encore aujourd'hui. C'est encore un jour de grâce. Il faut savoir saisir la grâce que Dieu nous fait. Je vous partage encore ce texte. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Je lis 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, pour ceux qui veulent le savoir. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Peut-être insister quelques moments sur le tout votre cœur. Le Seigneur ne nous demande pas un amour partagé. Il nous demande un amour véritable. Non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Et pardon pour les fois où nous n'avons pas, moi le premier, aimé le Seigneur ou les autres de cette manière-là. Mais là aussi, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Peut-être dire encore à quelqu'un ce matin, ne cherche pas par tes propres efforts. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire l'œuvre. Tu auras ta part aussi, mais il faut laisser à Dieu le soin de faire son œuvre. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut le laisser faire ce qu'il a prévu de faire. Ce n'est pas forcément ce qui m'arrange. Vous savez, le Seigneur Jésus ne veut pas une place dans notre vie. Il veut toute la place. Et pour ça, ben, il faut lui faire de la place. Il y a peut-être des choses dans notre cœur qui prennent la place de Dieu. Il y a peut-être des choses dans notre vie qui prennent plus la place que Dieu devrait avoir. C'est facile pour certaines choses. On pourrait se dire, mais la Bible dit, prier sans cesse. Bon, est-ce que je le fais tout le temps? Non, bien sûr que non. Et parfois, je peux le faire de différentes manières. On peut prier les yeux fermés, les yeux ouverts. On peut, au travail, on peut même prier dans sa tête. Ce n'est pas un problème. Mais de dire tout simplement, et de faire là aussi un petit point sur notre vie, « Seigneur, montre-moi ce qui prend plus de place dans ma vie que toi. Et pardon pour les fois où effectivement je t'ai remplacé. » Parce que ça arrive à tous. On l'a tous fait plus ou moins. Mais après, c'est aussi dire, « Seigneur, aide-moi à te remettre à la bonne place. Aide-moi à te rendre la place qui t'est due. Aide-moi aussi, avec mes frères et mes sœurs, à leur rendre la place qui lui est due. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement, qui lui est semblable, est ton prochain comme toi-même. » Pourquoi ? Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre à nous aimer les uns
les autres. 1 Jean chapitre 4. Lisez avec moi, il me reste quelques versets que j'aimerais vous partager. 1 Jean chapitre 4, toujours dans cette même idée d'amour fraternel, d'amour spirituel. 1 Jean chapitre 4, verset 7, nous est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est fort quand même. Le fait de s'aimer les uns les autres, ça a un impact énorme. Mais le fait de ne pas nous aimer les uns les autres, ça a aussi un impact énorme. À nous de choisir. C'est pas toujours facile d'aimer l'autre. Et demandons à Jésus, il est le premier à le savoir. Mais pourtant, il a tout quitté pour nous aimer, chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à penser à l'autre, à aimer l'autre comme Dieu l'aime. Que Dieu nous aide aussi à accepter son amour. Parfois, c'est ça le problème. Peut-être quelqu'un va dire, mais je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu. Ben, j'ai envie de vous dire, oui. Mais personne ne l'est. C'est lui qui nous a rendus dignes. C'est lui par son œuvre en nous. C'est lui qui nous transforme. S'il fallait attendre que nous soyons parfaits pour que Dieu nous aime, ça n'arriverait jamais. Et s'il fallait attendre d'être parfaits pour que les uns et les autres on s'aime, ça n'arrivera jamais non plus. Mais c'est là que la grâce de Dieu entre en œuvre. Peut-être qu'il y a eu parfois des distensions les uns avec les autres, comme on peut en connaître dans toutes nos familles. Tout ne se passe pas nickel, parfois, y a des difficultés. Mais peut-être de dire, Seigneur, aide-moi à régler ce qui peut être réglé. Comme la Bible dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Seigneur, ce n'est pas toujours facile, parce qu'avec tout ce qu'elle m'a fait, avec tout ce qu'il m'a fait, avec tout ce que j'ai dû supporter, mais avec ton amour, c'est possible. Avec ton aide, c'est possible. Et peut-être de ne pas faire les choses trop vite, c'est vrai, mais en tout cas de faire les choses dans les temps de Dieu. Si Dieu nous appelle à aller nous réconcilier avec d'autres frères, avec d'autres sœurs, il faut savoir le faire. Combien d'hommes, de femmes, et vous l'avez sans doute vécu, ont eu des regrets devant une tombe. Si j'avais su, si j'avais pu me réconcilier, si j'avais pu parler, combien d'hommes, de femmes déçus parce qu'ils n'ont pas saisi la grâce, ils n'ont pas saisi le moment. Et peut-être de dire, bien Seigneur, pas par mes propres forces, mais avec ton aide. Avec ton aide, c'est possible, on a chanté des beaux cantiques ce matin. Si j'y vais par moi-même, ça ne tiendra pas. Mais si tu es là, c'est possible. Et je dois apprendre à aimer mon frère, ma sœur, à aimer l'Église, comme toi, tu as aimé l'Église. Et lui, il a donné sa vie pour nous. Donc, quel bel exemple. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5 à verset 7. Et puis je vous partage ce dernier texte. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 11. Colossiens, chapitre 3, nous dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et le verset 13, vous l'avez lu avec moi, supportez-vous les uns les autres. Ah, il faut que je le supporte, il faut que je la supporte. Vous avez compris le principe. C'est pas du tout ça. Supporter, c'est porter sur. Être un soutien pour l'autre. Pardon pour toutes les fois où j'aurais dû être un soutien pour l'autre et je ne l'ai pas été. Pardon pour toutes les fois où la structure n'a pas tenu parce que je n'étais pas à ma place. Mais donne-moi aussi d'accepter l'amour qui m'est offert. Donne-moi d'accepter l'aide de l'autre. Je termine en vous disant que parfois le Seigneur a de l'humour et qu'il utilise les uns et les autres pour nous parler, pour nous faire du bien. Et puis peut-être qu'on se dit « Ah, moi, j'aurais pas choisi lui, moi. Ah, moi, j'aurais pas choisi elle. Ah, j'aurais pas utilisé ça. » Ben ouais, mais ça, c'est Dieu. Dieu connaît. Dieu sait. Et comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il a tout dans ses mains. Alors laissons-le utiliser qui que ce soit pour nous parler, ça c'est une chose, même pour nous aider. Qui aurait choisi le Samaritain pour aider celui qui était au bord de la route, alors que tous les autres avaient l'apparence, tiens, on parlait d'apparence dernièrement, qui aurait choisi? Personne. Ben non, ils ont mauvaise réputation, on n'a pas de contact, on n'en veut surtout pas. Oui, mais c'est quand même lui qui s'est penché sur cet homme, c'est quand même lui qui a bordé ses plaies, c'est quand même lui qui a payé pour son rétablissement. Alors que tous les autres, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils n'ont rien fait. Lui, il a donné de sa personne. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, et pas simplement en parole, mais en acte. Ça ne veut pas dire que je dois répondre à toutes les sollicitations. Mais ça veut surtout dire, Seigneur, ne me rends pas aveugle et sourd aux besoins qui m'entourent. Donne-moi de penser à l'autre, donne-moi de prier pour l'autre et donne-moi de l'aider, bien sûr dans la mesure de mes moyens, mais nous connaissons tous un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui pourvoit même infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons, et ça vaut le coup de lui faire confiance. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton secours. Seigneur, merci parce que tu n'as pas regardé à qui j'étais pour venir me secourir et tu n'as pas regardé à ce que je valais pour venir me secourir non plus. D'ailleurs, tant mieux parce que si tu avais regardé à ça, peut-être que tu ne serais jamais venu. Seigneur, merci parce que tu as regardé à ton amour pour nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que chaque jour, on peut compter sur toi. Je te prie, Seigneur, pour chacun. Chacune, Seigneur, tu vois, Seigneur, les présents ici ce matin, quelqu'un a-t-il besoin de faire la paix avec Dieu? Quelqu'un a-t-il besoin de faire la paix avec l'autre? Eh bien, Seigneur, donne-nous les sentiments qui étaient en toi pour avoir le courage d'aller, peut-être le courage de reconnaître nos fautes, mais aussi le courage d'accepter le pardon de l'autre. Seigneur, tu vois combien ce n'est pas toujours simple, mais avec toi, c'est possible. Seigneur, on sait que sans toi, on ne peut rien faire, mais on sait qu'avec toi, c'est possible. Merci, Seigneur, de bénir les familles que nous représentons. Je te prie aussi pour les membres de nos familles qui sont souffrants,
mais aussi les membres de nos familles qui ne t'appartiennent pas encore. Je veux te les remettre au trône de la grâce. Donne-nous d'être des canaux de bénédiction pour cette ville de Sainte-Savine. Donne-nous d'être des canaux de bénédiction pour les membres de nos familles. Donne-nous d'être des sources de bénédiction pour nos voisins, pour tous ceux vers qui tu nous envoies. Seigneur, que ce soit une parole qui vienne de toi, qui soit donnée. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu feras demain. Amen. Amen.